Julien, ben, je dirais encore une victoire, mais une victoire qui a été, je ne vais pas dire compliquée, parce que tu avais le cheval qu'il fallait aujourd'hui pour y aller, mais ce n'était pas si simple que ça. Non, ce n'était pas simple du tout, ce n'était pas gagné d'avance, mais le cheval, c'est dès le matin, dès la deuxième étape, je l'ai senti bien, dès la première même, mais dès la deuxième étape, le deuxième passage au vet, il était vraiment bien, vraiment en forme. On l'a vu, bon, ça fait un moment qu'il vient bien, depuis la saison dernière, il s'est fait mal à Fontainebleau, on l'a repris tout doucement, il fait corlé tranquille. Plourivaux aussi, 2x70, où il avance un peu plus. Là, toute sa préparation, il est sorti très très bien de l'hiver. Il était très beau tout l'hiver, bien sorti de l'hiver. Du coup, c'est vrai qu'il était dans une grande forme. Et après, au fur et à mesure de la course, je l'ai senti vraiment différent d'habitude. Ouais. Et donc, sur cette dernière étape, excuse-moi, donc, tu repartais avec 1 minute 55 ou 1 minute 12 donc, de retard sur Jean-Philippe. Ton but, c'était d'aller chercher Jean-Philippe ou d'attendre qu'on revienne te chercher et d'y aller avec quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. C'était de revenir sur Jean-Philippe, mais en sachant que les autres allaient revenir, vu qu'il y avait derrière, c'était sûr qu'ils allaient revenir, l'état des chevaux, tout ça. Donc, je ne me faisais pas d'illusions là-dessus. Je ne m'imaginais pas revenir tout seul sur Jean-Philippe. Je ne voulais pas griller le cheval dès le début de boucle. Voilà, je voyais bien un gros finish et ça s'est passé comme ça. Donc, on sort de l'hiver et de l'hiver breton, qui n'est jamais vraiment très, très bien pour entraîner les chevaux. Et ça s'est bien passé pour toi. Tu l'as entraîné à l'équipole de l'Andivisio comme les autres? Ouais, le cheval n'a pas bougé de l'équipole, il a été entraîné que sur la piste, à part ses sorties en course. Il fait une petite 40 de reprise à Coatelan, une 90 à Guégon, et sinon que de la piste. Et mes chevaux sont beaux, et c'est vrai, cet hiver, ça s'est bien passé. J'ai des nouvelles installations, des nouvelles infrastructures, et ça permet de travailler, d'avoir des chevaux qui sortent bien de l'hiver. Donc encore une très belle journée aujourd'hui pour les écuries Julien Gouachette. Ouais, super, tout le monde est content. Merci Julien. Donc Julien et Annie, parce qu'on peut maintenant on est obligé d'associer Jean-Pierre et Annie, donc ils sont tous les deux qui élèvent et maintenant vous élevez pour votre plaisir et pour le plaisir de faire plaisir. Voilà, c'est un peu ça. Ben, voilà, bon, c'est vrai que pour faire ça, si on n'a pas de plaisir, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est la passion, le plaisir, voilà. Et puis, bon, donc là, on a pris notre temps avec Julien et ça c'est bien parce qu'on s'entend tellement bien Julien, Marie, moi et Annie. Donc voilà, et puis on prend notre temps, on réfléchit. Bon. Moi, je réfléchis beaucoup souvent, mais bon, c'est souvent Marie et Julien qui ont le dernier mot. Mais bon, ça, il n'y a aucun souci parce que voilà, hein, on est là pour la performance, pour le plaisir, et puis voilà. Que du bonheur. Que du bonheur. C'est vrai que Fadazir, c'est quand même un étalon, faut pas avoir peur de le dire, hors du commun, de par les résultats de ses produits. Maintenant, il y a encore des paillettes à vendre. Il y a encore des paillettes, donc c'est formidable. Il y a encore des produits qui vont pouvoir naître de Fadazir. Mais aujourd'hui, ça a été vraiment une grande performance. Parce que toi, tu as été concurrent, tu n'es pas qu'éleveur, tu as été concurrent. Mais aujourd'hui, donc, Julien a fait une belle performance. Ouais, il a su gérer sa course, comme il sait le faire. Et je lui dis bravo aussi, quoi. Parce que vraiment, c'est un cavalier qui sait courir, tout simplement. Et il a bien appris, parce qu'il a été un peu chez toi à l'entraînement aussi. Oui, c'est vrai, il a travaillé pour nous. Dans ses débuts, évidemment. Mais... Et quand tu as remonté, puisque tu en as remonté 3 ou 4, tu es arrivé à la hauteur de Julien. C'est peut-être avec Julien que vous êtes arrivé à la hauteur de Jean-Philippe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, la jument était tellement bien que j'ai pas ralenti... 10 mètres. J'ai fait tout au train, la jument, elle a une grosse cadence. Bon, Jean-Philippe m'avait dit que de toute façon, son cheval, c'était un jeune cheval et qui avait de l'avenir et qu'il ne voulait certainement pas prendre trop de risques sur la dernière. Bon, avec Julien, on s'est amusé sur les 5 derniers. Ça a été à toi, à moi, et puis bon, à lui. Voilà. À lui, donc qu'est-ce qui a manqué dans le sprint final? T'as pas voulu tout risquer? T'as pas tenté? La jument m'avait déjà fait, je pense, un très très gros effort pour revenir sur Jean-Philippe et sur Julien, qui avait quand même un petit paquet d'avance. Bon, évidemment, personne trottait hein, sur la dernière, tout le monde galope. Et s'il y en a un qui galope à 22 devant, il faut galoper à 24. Et s'il y en a un qui galope à 24, il faut galoper à 26. Et pour pouvoir rattraper un cheval au galop, il faut quand même faut pas rester les 4 pieds dans le seau. Quoi. Et t'as fait 26-26. Ouais, je suis content. Un petit mot aujourd'hui, donc je dirais une journée simple parce que ça s'est vraiment bien passé, mais la course a été quand même compliquée.
Oui, malheureusement, il n'y en a pas eu de chance par rapport au climat qui a bien dégradé les pistes. Après, c'est bien mieux que sur le parcours de l'an dernier au niveau de l'hippodrome. Les pistes sont beaucoup plus importantes. Voilà. Après, je monte un cheval qui sort un peu de l'ordinaire. On essaie de le former en vue des championnats à venir. Mais vraiment, tu as une complète confiance parce que tu n'as jamais mis le stéto, jamais mis le cardio. Non, on n'a jamais posé le cardio une fois sur tous les bêtes. Et là, il rentre de suite, il a 50 encore. Il a un métabolisme qui sort vraiment de l'ordinaire. Et il a toutes les qualités pour faire un grand champion. Donc cheval d'exception, excuse-moi, donc on a un petit problème de sono, je ne sais pas si ça marche encore. Oui, ça remarque. Donc cheval d'exception, et donc tu as la chance de monter ce cheval d'exception, comme tu en as eu plusieurs déjà. C'est vrai, j'ai la chance à chaque fois de retrouver sur des super chevaux, mais je pense que celui-là, c'est quelque chose encore à part. Encore à part, et donc il y a un bel avenir avec le Tardibus. J'espère. C'était un cheval pour Sabrina, donc on espère le garder jusqu'au championnat du monde l'année prochaine. Donc il n'y a pas de raison, il veut faire plusieurs championnats, championnats du monde, championnats d'Europe, donc il n'y a pas de problème, il y en aura. On mise sur tous les championnats du monde, on verra pour les championnats d'Europe cette année. D'accord, merci.